C'est la journée internationale François Pérusse. Je pense qu'on peut le dire ainsi. François, qu'est-ce que tu en penses lorsqu'on attribue le mot international, quand on l'associe à ton nom? Je savais pas qu'on se retrouvait à Las Vegas cet après-midi en si peu de temps, vraiment. C'est beau, hein, Vegas, quand même? C'est très, très beau. Ça me fait penser un peu à ça. C'est la première... Sincèrement, c'est la première fois que je viens au 10-30. Oh, wow. C'est bien fait. Moi, c'est correct. Tout est à la bonne place. Bon, parfait. Nous sommes ici en ce moment et dans quelques instants, il va y avoir sucré-salé. Oui, est-ce que tu es nerveux? C'est-tu quoi? Non. Je vais te dire pourquoi. Parce que Guy, c'est la deuxième fois que je vais faire un tournage avec lui. Je souhaite à tout le monde de se faire interviewer par lui, parce que d'ailleurs, tout le monde s'est fait interviewer par lui. Ça coule tout seul. On est comme si ça se passait dans une cuisine, parce qu'au Québec, c'est dans la cuisine qu'on... Ben oui, ça finit. Le party est toujours fini dans la cuisine. Toujours. Les salons, il y a toujours les salons québécois, il y a toujours des housses par-dessus les fauteuils. Non, je suis pas nerveux, parce que ça, je sais que ça va très bien aller. Je suis encore nerveux pour ce soir, bien sûr. Évidemment. Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi pour te préparer? Là, on était ce matin en tournée médiatique. Là, on l'est encore un peu avec sucré salé, mais qu'est-ce que tu as fait entre les deux? Je me suis reposé un peu. Je suis allé au courriel. On m'envoie des courriels. Entre-temps, j'ai reçu un chandail des Alouettes à mon nom. As-tu eu le temps de te laver? Oui, j'ai eu le temps de me laver. Pour la deuxième fois aujourd'hui, c'était pas un luxe. Et j'ai mangé une bonne salade que ma douce Mélanie m'a faite. J'ai été gâté, j'ai été bien traité chez nous. J'ai joué un petit peu avec Frédéric, mon fils. On a joué un petit peu au ballon. On a eu le temps de jouer un petit peu au ballon. Mon Dieu, j'ai l'impression que ça a duré une fin de semaine, ton après-midi. Écoute, je suis parti 2 mois.